Bonsoir, merci d'être venu. Alors on est très content de vous présenter cette pièce qui s'appelle Sur les routes de l'altérité. On a travaillé toute l'année et vraiment je suis vraiment très très contente de présenter ça avec les enfants du collège Saint-Louis. Voilà. Donc si vous avez des portables allumés, ça serait bien de les éteindre. Voilà, j'ai bien fait de le dire. Et bon spectacle. علي ومن سوريا عمري 12 سنة وصف السابع بعد ما أعمل هيك مرحبا اسمي عبد الله من سوريا عمري 12 سنه وبعرف اعمل هيك مرحبا انا اسمي هيثم وانا من سوريا وعمري 14 سنه وصف ثامن وبعرف اعمل Je m'appelle Robert. J'ai 13 ans. Je sais faire ça. C'est ma place. C'est ma chaise.
Ma vie avant, c'était très bien parce que j'étais avec mes cousines et mes amis. Ma vie maintenant est un peu triste parce que mes cousines me manquent. Thank you.
De mon pays, je me souviens de mon grand-père, de papa, mes tantes, mes oncles, de ma mère. J'ai pleuré parce que j'avais mes cousines au collège. Mais ma vie maintenant, elle est belle parce que je suis en France et après, je serai en France parce que j'aime bien être là, en France. J'ai 13 ans, je suis une quatrième, je viens de Syrie, je partais de Syrie avant la guerre parce que mon père il travaillait dans l'Arabie Saoudite.
féliciter les élèves pour ce moment partagé. Félicitations à vous. Je voulais, voilà, on loupe toujours des remerciements. J'ai fait un programme avec des remerciements et j'ai oublié de remercier le collègue qu'on a embauché toute la journée aux Lumières. Donc vous avez Quentin aux Lumières, s'il vous plaît. Je vous remercie. On a mené à bout de bras avec Marie-Jo, la comédienne qui vient de Tarbes, la collègue de Fleu et moi-même en musique. Mais bravo aux élèves, franchement. Bravo. Donc, Ami, Wajda, peut-être je ne prononce pas très bien, je m'excuse. Almeida, Aïcha, Aïcham, Robert, Aha, Aldala et Ali. Oui, je me rappelle. On remercie Mathieu au fond aussi. Donc, l'histoire de... particulière parce qu'en fait on s'est rencontré avec Laurence dans une formation qui était proposée par l'ADA et qui proposait un atelier de rencontres de partenaires. Rencontres et de construction d'un projet fictif, voilà. C'était ça. Et donc du coup ça a accroché et on est allé, on a pu aller jusqu'au bout du projet. Du voilà. Projet jusqu'à aller sur scène. On a eu l'aide de la Fondation de de M. Pietranico, avec qui a porté le projet à bout de bras, et donc on tenait à le remercier. Moi, je tenais à dire que quand j'ai rencontré ces enfants, c'est vrai qu'au départ, je me disais, bon, on va voir, je ne sais pas trop. Et je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès au niveau de l'aisance sur scène, de l'expression, et vraiment, ils ont été adorables, vraiment, et ça, je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de super. Bravo. Merci.